Hello, 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 c'est JKB de retour dans City Skylines. Aujourd'hui, épisode 9 de la série Saint-Bernard. Lors du précédent épisode, on avait développé la facilité de déplacement à pied et à vélo ici à Cyprès, ainsi que dans la petite communauté de Pervenche. Et on a acheter un nouveau terrain sur lequel on a développé ce nouveau quartier, ce nouveau petit village doté d'un petit peu d'industrie, de pas mal de commerces et de quelques zones résidentielles. Aujourd'hui, on va continuer à se développer ici au bord du lac. J'ai envie d'améliorer un petit peu ce qui est ici, j'ai envie d'ajouter des possibilités de déplacement et d'ajouter quelques zones aussi parce que on n'est que à 16 000 habitants et la prochaine extension de territoire, on l'aura à 32 000 habitants. Donc, si on veut doubler la population, bah, il va falloir quand même s'y mettre à un moment, quoi. Donc. Et ici, comme je disais à la fin de l'épisode précédent, j'y suis allé un peu vite en créant ces industries, donc j'ai un petit manque de main-d'œuvre qui s'est fait ressentir. Celui-ci se plaint du manque de service, on va y remédier. Et celui-ci aussi, on va y remédier, pas de soucis. Pas de soucis, ça va être fait. Qu'est-ce qu'on a ici déjà comme service? Je sais qu'on a de la couverture pompier sans problème. Quoique peut-être un deuxième à un moment on sera pertinent. Ou alors peut-être déplacer celui-ci. Si je le déplace ici, j'ai une meilleure couverture, oui. Voilà, c'est fait. Au niveau de la couverture policière, ici c'est la même chose. J'ai aussi une assez bonne couverture sur l'existant. Ça c'est pas mal. Ah bah je vois que celui-ci ne se plaint plus de manque de service. C'est déjà pas mal. Et au niveau loisirs. Non, loisirs j'ai dit. Au niveau loisirs, on a juste ceci, l'aire de jeu de l'école, dans le centre. C'est peut-être un petit peu insuffisant. Donc je me demande si je vais pas rajouter quelque chose quelque part par ici. Quelque chose de simple. Enlève-moi cette vue. Parc pour chiens, c'est petit ça. C'est bien, ça rentrera bien. Ça va rentrer dans les cases. Et ça a de l'influence aussi là-dessus. Ça, c'est très très bien. Voilà, donc au niveau service, ils sont contents. D'ailleurs, on voit déjà les petites flèches de mise à jour. Tous ces bâtiments qui s'améliorent. Voilà, qui est pas mal. Qui est pas mal du tout pour commencer. Ouais. Une première chose que je voulais faire ici, c'est que je pense que cette route-ci, ce chemin clairière là, on va le continuer et le faire passer le long des berges jusqu'à la zone industrielle qui est ici, et qui souffre aussi sérieusement d'un manque de main-d'œuvre. C'est bien ça, hein. Chômage 4%, ouais, c'est totalement un manque de main-d'œuvre. Donc on va ajouter cette route. L'équiper bien comme il faut, et puis on va rajouter des zones résidentielles ici parce que ça devient vraiment nécessaire. J'ai trop d'industrie par rapport à la population. Pas que ça me pose un problème d'avoir une ville avec un taux de chômage minuscule, mais visiblement à eux ça leur plaît pas trop. Alors, ici c'est un chemin de terre, je vais l'améliorer en le goudronnant sur presque toute la longueur, ouais. Et alors ceci, peut-être le goudronner aussi, parce qu'il y aura certainement pas mal de trafic une fois que je l'aurai rejoint. J'ai déconnecté mon électricité. Reconnecter. Pause. Retirer ça. Et on va reconnecter l'électricité juste ici. Voilà, ça devrait être assez. Ah, et du coup, ceci n'est pas nécessaire parce que ça connecte ici.
On peut relancer la simulation. Est-ce que je suis en sous-capacité niveau service funéraire? Non. C'est juste que mon corbillard n'est pas encore arrivé. Mais ça va, il est en route. Je commence déjà à avoir un petit peu de trafic sur cette route, peut-être que soit à cet épisode-ci, soit dans un des prochains, ça sera amélioré en deux fois deux voies pour aller plus vite. Mais dans l'immédiat, ça a l'air d'encaisser pas mal du tout. Ouais, parce que y a pas tant de trafic que ça. Je vais donner un nom déjà à ceci. On va faire un quartier et on va se contenter a priori du nom qui sera donné automatiquement. Voilà. Comment t'appelles ça? Hauteur de lierre. Faisons ça. Hein. Pourquoi pas? C'est pas plus stupide qu'autre chose. Alors ici, on va faire une route. Suis vaguement le lac. Et puis qui vient se connecter là. Bah, goudronner le prolongement. Voilà. Puis je vais agrandir les quartiers ici pour englober aussi les habitations et décréter que ces villages s'appellent comme ça et puis c'est tout. À défaut de meilleur comme nom, j'ai pas forcément d'idées qui me viennent en tête tout de suite. Si quelqu'un a des suggestions, faites entendre vos voix. Je suis ouvert aux suggestions. Et dans l'immédiat, ceci, c'est les hauteurs de cyprès, lierre, pervenche, et puis ça, c'est Saint-Bernard-Centre, Saint-Bernard proprement dit. Oui, englobant tout ça. Voilà, voilà. Non, pas quartier Victoria. Ici, c'est Saint-Bernard tout court. Donc, aux hauteurs de Lierre, je vais ajouter des quartiers résidentiels parce qu'il n'y a pas assez de population dans cette ville. Partir de nouveau sur du basse densité. Ça. Ça. Si je relie les deux, c'est un peu court. On va mettre 5 de plus. Retire-moi ce guide. 5 de plus. Connecter les deux. Ça me fait déjà une première zone. Peut-être relier ici et puis continuer dans le prolongement. Alors, j'ai un accès à l'autoroute ici, j'ai un accès à l'autoroute ici. C'est peut-être pertinent de faire un accès autoroute ici, et je vais faire le même genre de choses que ce que j'ai fait ici, parce que ça c'est assez efficace.
assez fluide pour pas cher. On va commencer par aplanir le terrain. En prenant cette hauteur là. Ok, ici c'est peut-être un peu plus large entre les voies. Avant toute chose, voir si j'ai assez d'espace entre mes deux voies de circulation. Oui. Je peux prendre le milieu ici comme référence. Donc, clic droit pour prendre ma hauteur de référence. Et puis ensuite, clic gauche pour aplanir à cette même hauteur. Un peu autour. Je disais que c'est assez bien et suffisant. Oui, c'est pas plus grand que ça. Et construisons. Que je vois, je vais être ici pour le milieu. Et ici, je commence à peu près ici. C'est mon anneau qui a l'air bien horizontal. Ça, je le retire. Je ferai peut-être, parce que ça risque de se retrouver quand même relativement central à la ville, peut-être faire un petit rond-point de chaque côté. Un peu de distance ici, ça aussi ça va être une ligne de construction. Voilà, ça, ça dégage. Et puis on va partir de... Retire-moi ces guides là. On va partir de 5 à chaque côté. On rappelle dans les guides qui s'affichent ici. Quand j'ai avancé de 5 unités, la ligne de 10 unités apparaît. Là, je suis à 10 unités. Là, je suis à 5. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Et le sens dans lequel je le fais, c'est pour ne pas devoir m'embêter à repasser par la suite à changer le sens des circulations. Parce que par exemple ici, quand je le passe en sens unique, il me met le sens des circulations dans le sens dans lequel j'ai construit la route. Si je l'avais fait dans l'autre, si j'avais commencé à tracer ma route vers la gauche, j'aurais dû changer le sens de circulation à chaque fois. Donc en fait je m'épargne simplement des clics en décidant de tracer vers la droite au lieu de tracer vers la gauche. Voilà. Je peux retirer ça. Et puis je vais faire mes bretelles d'accès. Mais j'ai peur qu'elles me cassent un peu. Donc je vais... mettre des contraintes au milieu. Comme ça, ça l'évitera. Ça lui évitera. Je pense pas que ce soit un cercle suffisamment petit. Mais alors ce qui se passe des fois, c'est que quand on fait des cercles assez petits, quand on connecte quelque chose pas à un des quatre points cardinaux, si je puis dire, il va déformer le cercle pour arrondir les angles et on se retrouve avec un rond-point qui n'est plus rond du tout. Alors que ici, comme j'ai mis ces contraintes là,
Il devrait se laisser faire sans problème. Venir ici à peu près au milieu. Voilà. J'aime pas beaucoup la pente qu'il m'a fait là. Mais alors, vraiment pas. Si je viens ici et que je descends, ça c'est déjà plus soft. On va faire ça, et on va faire ça. Et ça, c'est déjà mieux. Essayer de faire la même chose de l'autre côté. C'était quelque chose comme ça. Ah non, c'était pas cet angle-là. J'étais plus proche. Quelque chose comme ça alors. Et là, il va bien. Ça me va. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et puis ici. On va reconnecter de chaque côté. J'ai déjà retiré mes lignes de construction. Donc quoi que. Celle-ci je la garde. Je mets mes sens uniques. Voilà. Et alors ici de ce côté, comme je disais juste avant, j'ai construit en commençant en haut pour aller vers le bas. Donc quand je mets mes flèches, elles sont dans le mauvais sens. Je dois repasser dessus en clic droit pour les remettre dans le bon sens. Et la petite icône qui est apparue ici m'indique que ce point de la route n'est en fait connecté à rien. Étant donné les sens de circulation qui sont imposés, je n'ai aucun moyen d'arriver à cet endroit-là. Ça, c'est toujours bon. C'est toujours bon à voir parce que ça permet, dans le cas des routes, de se rendre compte qu'on a un segment qui est dans le mauvais sens de circulation. C'est assez fréquent de se retrouver à faire ça. Ou si ça arrive, si ça s'affiche par exemple au bord d'une gare, ça signifie que cette gare n'est pas connectée au réseau ferré. Ça peut arriver par exemple si on a, à une partie précédente, ça m'était arrivé dans une situation où j'avais mis des rails très très près de l'eau. Et puis à chaque fois qu'il y avait un orage, le niveau de la rivière montait, inondait mes rails, et donc les trains ne pouvaient plus passer. Et c'est quelque chose que j'avais repéré en voyant ces icônes de déconnexion sur les gares. Je digresse. Je vais connecter ça à ici. En direct. Une bonne grosse ligne droite. Et maintenant, je n'ai plus besoin de ces lignes de construction. Mon rond-point est bien rond. Ici d'ailleurs, je n'en ai plus besoin non plus. Ah bah si, j'en ai besoin parce que j'ai construit les accès vers la route, mais j'ai pas construit les accès vers l'autoroute. Voilà. Maintiens-moi ça bien rond et on va faire des bretelles d'autoroute. On va ici à mi-chemin. Un tout petit peu plus loin. Arrête de snap. Arrête de snap. Ouais, ça c'est pas mal. On va essayer de faire quelque chose de vaguement parallèle. Ouais. Symétrique plutôt. Ça c'est très bien. La même chose de l'autre côté. Et ici. Corriger le sens. Voilà.
Maintenant, je peux retirer mes lignes de construction. Comme je n'avais rien ajouté à cet anneau-là, il garde bien sa forme. Premier utilisateur. C'est un grand moment d'émotion. Alors, se relier ici. Comment on va faire? On va faire... ici, une route. Qui part tout droit jusque là. Ou jusqu'ici. Ouais. Alors ça. Ça. Et goudronner ça alors. Et puis je vais en faire partir un plus direct par là. Par ici, et puis qui se relie ici. On peut faire une courbe. Il fait sa mauvaise tête. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Voilà, et puis on va continuer à prévoir des zones pour le résidentiel à ajouter. Par exemple, ici venir à moitié. Ça. Oui. Et ça, ça va repartir de l'autre côté. Faire une voie sans issue ici. Et plus loin encore. Ça, ça me semble pas mal. Ici, ça mérite une rue. Ok. Ok, je vais agrandir le quartier pour englober ces nouvelles constructions. M'assurer que j'ai de l'eau. Non, je suis encore trop près. Ça, c'est pas mal. Partir de ces lignes aussi. Là, je suis couvert. Ici, on couvre. Ici on court, ici on en a un petit peu pour couvrir, voilà, et puis tout ça, ça va être du résidentiel comme la demande est assez importante. Je vais déjà mettre un sentier piéton ici, qui vient de là à là. Où est-ce que je peux en faire d'autres? On va mettre un ici. Pour le reste, ça me semble pas mal. Et on va remplir tout ça de résidentiel. Les laisser s'installer. Ici aussi, ça va être complètement résidentiel.
Alors, j'ai pas envie d'avoir des habitations directement sur le rond-point. Je peux en avoir ici. Et ici. Allons-y déjà. Allons-y gaiement. Voilà qui devrait être pas mal. Accélère un peu la simulation. Tout ça s'installe. Je vais faire une rue qui part par là, et puis je vais retirer mes lignes de construction à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je retire ceci. Et j'ai un accès bien fluide. Et ici, ça commence à s'installer, ça commence à construire, ça c'est très bien. Par contre, cette partie-ci n'est pas du tout couverte, ce qui est loisir, donc je vais déjà mettre un parc. Qu'est-ce que je peux mettre ouais, le parc arboré, c'est un peu abusé. Ah, ici j'ai de la place. Je vais le mettre. Oui, je vais le mettre ici. Et puis je vais dézoner ça. Et éventuellement, je construirai des choses ici. Mais là, j'aime bien l'aspect que ça a comme ça. Ça se remplit bien. J'ai de nouveau de la demande pour du commercial. Donc je vais rajouter un petit peu de commercial dans ce coin-ci. On va faire une route qui part directement comme ça. Qui va faire ça. Et je vais mettre du commercial ici. Retirer ça. Pouvoir vraiment remplir la zone. Voilà. Ah, et là j'ai déconnecté. Et viens ici. C'est bon. L'interruption de l'électricité aurait été intense, mais bref. habitants. On va continuer d'étoffer ça, mais avant de faire ça, j'ai envie de rajouter, maintenant qu'on a une route qui fait la jonction entre Pervenche et Lierre, j'ai envie de mettre une ligne de bus entre Pervenche et Lierre. Prends une ligne de bus, et on va dire qu'elle démarre, qu'elle partage cet arrêt. Est-ce que moi, les lignes existantes... Est-ce que moi, les lignes existantes... Alors, on va faire une ligne... qui part d'ici. Qui va faire un arrêt... ici. Qui va faire un arrêt ici et puis qui va rouler directement jusqu'ici
Et aller un peu plus vers le centre, ici. Trouver mes lignes pour que je vois où je rejoins les autres. Oui, qui va venir ici. Puis faire le tour. Un arrêt ici, ce sera suffisant pour qu'il y ait un échange de passagers. On va faire le tour, mais en passant par là, on va mettre un arrêt ici. Et puis ensuite, on repart. Un ici. Un là. Et puis on boucle la ligne. Se plaint d'une insuffisance d'égouts. Les eaux usées s'accumulent. Qu'est-ce que j'ai disponibilité en eau? Je suis un petit peu limite. Et traitement des eaux usées, je suis totalement limite. Je vais rajouter ici une troisième station d'épuration. Ah, il va falloir que je déplace une éolienne ou deux. Je peux déplacer légèrement ces deux éoliennes pour pouvoir m'installer ici. Ou je peux l'installer ici? Non. Déplacer ces deux éoliennes. En essayant de les garder là où il y a du vent. Mets-toi là. Toi ici. Et ici je peux me connecter à ma canalisation. Très bien. Et au niveau pompage d'eau, on va rajouter une pompe. Je pense que je peux la mettre ici entre les deux, ouais. Et avec ça, je devrais être bon. Effectivement. Je vais continuer cette route jusqu'à rejoindre cette route-ci en déjà goudronné. On va venir jusque, disons là. J'ai envie de courber un peu là. Ah, et il insiste pour courber beaucoup. Si je supprime ce segment. Je demande à courber un peu. Ah non, j'ai un nœud ici, il veut absolument se raccrocher dessus. Donc tant pis, on va partir en ligne droite ici, et puis ensuite on repartira en oblique. Quelque chose comme ça. Pause pour refaire ma ligne électrique. Et on peut reprendre. Voilà. J'ai toujours un manque de main d'œuvre dans mes industries. Bon bah on va continuer à zoner du résidentiel par ici. Faire une route bien comme ça. Ici au milieu, hors relié. Ouais. Peut-être pas en goudronné ici. En tout cas pas encore. Je vais goudronner ça parce que j'ai pas mal de trafic qui vient des industries pour rejoindre l'autoroute. Ouais, goudronner ça. Puis ceci. Voilà. Il y a de l'eau. Et tout ça, ça va être du résidentiel.
qu'est-ce que j'ai comme trafic? Ça va. Si j'ai des points où ça coince un petit peu, mais globalement, ça va. Le trafic est fluide un peu partout. Quelle est la situation au niveau emploi? Chômage 4% toujours. Continuons à augmenter la population. Surtout qu'ils construisent des maisons, mais ils s'installent dedans et la population n'augmente pas forcément beaucoup. On va réduire la vitesse. On va zoner ici. Comme ça. Et disons comme ça. J'ai de l'eau. Tout ça va être résidentiel. Et ça va être résidentiel. Ça aussi. Mais pas ceci. Et je peux rajouter un peu de résidentiel de l'autre côté de la ville. Enfin, de la ville, du quartier. Continuer. On va faire une route comme ça. Ça va, qu'est-ce que j'ai comme terrain ici, comme relief? Ça monte pas mal. Ce serait logique d'avoir une route qui vient ici, comme ça, faisant un angle. Disons qu'il fait quelque chose comme ça. Et puis on va relier ces deux éléments. Et je vais mettre une autre rue ici à l'intérieur. Peut-être pas jusqu'au bout. Ok. Déjà faire du piéton ici. Faire du piéton ici. Ne cale pas sur l'angle, s'il te plaît. J'ai envie de te mettre là. Voilà. Voilà. Et alors, je pense pas qu'une seule école sera suffisant. L'école, elle est ici. Ah si, j'ai pas encore rempli cette école, donc. Ok. On va essayer avec ça. Ajouter de l'eau. Calme-moi l'anglais ici. Tout ça va être résidentiel. Je vais faire une deuxième petite zone commerciale. Disons à proximité de l'autoroute.
quelque part par ici, ouais. Quelque chose comme ça pour mettre de l'eau. Et ça, ça va être commercial, basse densité. Et on peut mettre du commercial à l'extérieur aussi ici. Et ça, ça va relancer la demande pour le reste, au moins un petit peu. Ok, au niveau zone, ça c'est pas encore rempli, c'est bon. Ici ça commence tout doucement à se remplir, c'est bon aussi. J'ai déjà tracé les routes et pas encore zoné. Pour les développements futurs. Par exemple, ici. Ce genre de choses. Que là, et puis il va y avoir une route qui relie les deux ici. Ça... Oui, ça a l'air bien. Ça a l'air bien, je peux relier ces deux carrefours. Et alors ici, ça descend, disons, comme ça, on va faire une courbe pour rejoindre le coin là. Faire ce genre de choses aussi. Cet espace-là, on trouvera bien de quoi en faire quelque chose d'intéressant. Un moment ou l'autre. Déjà, faire des routes ici. Faire une route ici. Je vais mettre un sentier ici. Comme ça. Direct et simple, il n'y a pas besoin de plus. Et quand la demande sera bien remontée et que tout ça sera rempli, on pourra zoner de nouveau là-dedans. Ça sera pas mal. Alors, au niveau des services. Au niveau des traitements de déchets, je commence à être un petit peu limite. Et au niveau électricité, je serai aussi bientôt un petit peu limite. Donc je pense que je vais faire un... Je pense que je vais installer un incinérateur de plus, quelque part par ici. Donc partir de là. Plutôt non, partir d'ici. Venir jusqu'ici. Pas à ce point-là.
venir jusqu'ici. Ici, je vais me faire une petite ligne de construction. On va faire une petite goutte d'eau pour faire demi-tour facilement. En sens unique, dans l'autre sens. Voilà, et ici, donc je vais devoir ramener un peu d'eau. Disons jusque là. Et on va s'installer un incinérateur juste ici. Ça va faire du bruit et de la pollution, mais à un endroit où de toute façon il y a du bruit et de la pollution, donc finalement ça va déranger personne. Parce que je veux clairement pas installer de résidence juste ici à côté de l'autoroute. Ça risque de mal se passer. Accélérons la simulation et voyons ce que ça donne. Oui, j'ai vu qu'il y a des bâtiments abandonnés, parce qu'on n'a pas assez de monde. Je vais déjà les détruire, parce que comme le rappelle bien cette infobulle, les bâtiments abandonnés réduisent la valeur foncière des terrains avoisinants. Et comme c'est là-dessus que se basent les taxes, ça serait quand même malheureux. Tu t'en vas. Ici on est bon. Est-ce que j'ai la même chose par ici? Ici j'en ai aussi un qui est abandonné. Là ça va. Là ça va. Là ça va. Ok. J'ai de la demande commerciale, mais en même temps du commercial qui se manque, qui se plaint du manque de main-d'œuvre. Donc à la place on va faire du résidentiel pour que plus de gens s'installent. Je prolonge ça. Ça couvre. Et ça. Couvre. Et on va rajouter ici du résidentiel. Disons là. Et là. habitants. Ça s'installe petit à petit, lentement mais sûrement. Ça c'est bien. Et j'entends les petites notifications d'amélioration. Ça c'est bien aussi. Mes nouvelles zones se remplissent déjà. On peut donc en rajouter. Ici, je mettrais bien un beau parc. J'ai la place pour faire ça. D'ailleurs, le mettre pente trop incliné si je le mets là. Et si je le mets ici, t'es d'accord. On va faire ça, hein. On va faire ça, et puis on va
se connecter au chemin du parc pour faire un raccourci piéton jusqu'ici. Et agrandir un peu le parc, oui, faire une extension, un vrai faux parc, comme j'aime à dire. Faire une courbe comme ça. Faire une courbe comme ça. Et est-ce que je peux faire ça? Je peux faire ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Tout ceci, ça va être résidentiel. Quoique ici, la proximité des industries, ça va pas leur plaire. Est-ce que je redéfinis ça en autre chose que des industries? Non, je vais mettre du commercial plutôt ici. Je peux mettre du commercial ici. De ce côté-ci, ça sera résidentiel. De ce côté-ci, ça sera commercial. Et entre les deux, ça sera du vrai faux parc. Petit arbre ici, voilà. Ça c'est déjà emprunté. Je ne sais pas si je suis relié ici, à mon avis non. Et à mon avis il va aussi se plaindre que la distance est trop courte. Oui, sauf si je fais ce genre de saleté. C'est une saleté mais ça fait le job. Là, j'imagine que sous peu, je devrais voir des usagers qui passent par ici. Et c'est le cas. Très très bien. 17 800 habitants, on a presque gagné 2000 habitants. En finalement, pas tant de temps que ça. À avoir pas mal de trafic ici et ça reste tout à fait gérable et j'ai de la grosse demande résidentielle donc à mon avis ils vont continuer à s'installer. Là on est à presque 18 000. Ah. Continuons de s'étendre un peu le long de la route ici. Ici plutôt. Oui, mieux. Et alors on va rejoindre quelque part par ici. Et là aussi je vais faire une courbe. Montre-moi le guide. Courbe jusque là. Voilà. Amener de l'eau là-dedans. Et tout ça, ça va être résidentiel. Bien. Horreur, un incendie.
Ça va. La réaction est suffisamment rapide. Est-ce que j'ai une bonne couverture incendie? De ce côté-ci, oui. De ce côté-ci, oui. Peut-être rajouter des pompiers. Ça manque aussi dans ce coin-ci, d'ailleurs. Étonné que... Ah bah non, j'ai pas eu tant de problèmes que ça parce que j'ai la distribution de détecteurs de fumée. C'est pour ça que mes incendies sont rares. On va rester comme ça pour l'instant. Ça devrait être assez... Mais c'est la deuxième fois que je vois des gens se plaindre de la gestion des décès. Service funéraire pourtant. Attention sur capacité. On est un ici, un là, un là. Je vais mettre un crématorium aux hauteurs de l'air quand même. On va le placer à proximité, quelque part par ici. On va mettre un crématorium quelque part ici. Disons là. Non, j'avais dit que je voulais pas quelque chose directement sur le rond-point. Disons là. Et puis un petit hôpital. Parce que j'en ai juste... Oui, j'en ai un à Saint-Bernard, j'en ai un à hauteur de Cyprès. Il n'y en a pas à Pervenche, mais j'ai peu de population à Pervenche. Je vais mettre un petit hôpital. Une position un petit peu centrale. Disons là. Comme ça, un maximum de monde profite du service. La ville a besoin de plus d'énergie. Clairement. Est-ce que la ville a besoin de plus de traitement de déchets? Bientôt. Donc l'heure de rajouter... un autre incinérateur. Ça va se rétablir. Vous inquiétez pas. Et mine de rien avec tout ça, ça fait presque une heure que ça tourne. Donc je pense qu'on va en rester. On va en rester à peu près là pour aujourd'hui. Disponibilité électrique, toi t'en es où là? Oui, j'ai pas encore de déchets dedans donc il commence à peine à tourner. Mais c'est bon. Ça va. Ça va aller. Mégawatts alors que le maximum que ça peut faire, ici je suis à 12. Ça va aller. Bah, je dis ça va aller, mais ils sont quand même beaucoup à se plaindre. Ah, ça va. La situation se rétablit. Donc oui, ça fait une heure que ça tourne. Donc aujourd'hui, récapitulatif. On s'est occupé d'agrandir tout ce nouveau quartier, les hauteurs de l'IR. Le relier à l'autoroute et faire finalement un accès à l'autoroute qui est assez sympa et qui fait bien la jonction entre le centre Saint-Bernard et Hauteur de l'Air. Donc ça me fait un itinéraire direct pour aller là-bas et en même temps ben, un accès autoroutier pour tout cet endroit-ci. Ça se développe. On a dépassé 18 000 habitants et j'ai toujours beaucoup de demandes pour du résidentiel. Donc le prochain seuil de 20 000 habitants sera atteint assez bientôt. Et à 20 000 habitants, on va pouvoir avoir une centrale solaire. Et ça, c'est très très bien, puisque une centrale solaire, ça produit beaucoup.
Et ça permettra de se débarrasser de pas mal de ces éoliennes. Qui sont sympas mais qui commencent à être vachement nombreuses et à coûter pas mal en entretien. Voilà qui est bien. Voilà qui est très bien. Prenons un bus. Pour finir en tourisme. Encore une fois, merci à ceux qui ont suivi le direct. Vous êtes étonnamment nombreux. Vous pouvez rattraper les épisodes précédents sur YouTube. Le lien vers la playlist sera dans la description de la vidéo sur Twitch. Et on se retrouve pour le prochain épisode après-demain. Et dans l'immédiat, à ciao, bonsoir.